Grand-papa! Hey! Salut tout le monde! Sauf José. C'est de la belle visite, ça! Et moi, tu me salues pas? Ah, désolé, j'avais pas vu que t'étais là. Mais voyons, t'as pris la peine de dire salut tout le monde, sauf José. C'est ça. Donc t'as vu que j'étais là. Vous êtes qui, vous? Ah, c'est beau, laisse faire. Je vous annonce que je quitte le centre de personnes âgées puis que je m'installe ici. Hey, wow, là. Pourquoi tu veux pas rester là-bas? Il y a juste des vieux là-bas, c'est déprimant. Pas de problème, Monsieur Godin, on va vous faire une belle place ici. Hey, wow, minute, là. J'ai-tu mon mot à dire, hein? Je suis quand même un peu concerné. Ceux qui veulent que je reste, levez la main. Ben, la démocratie a parlé, hein? Ouh, un gâteau au chocolat. Et ça ici, c'est lui qui pleure parce que monsieur avait fait pipi dans son lit à 11 ans. Un album plein. Que des photos où t'es humilié. Ah, ici, t'en souviens-tu? Tu convulsais sur le sol là, après avoir avalé une petite saucisse de travail d'un buffet chinois. Ça te tentait pas de m'aider au lieu de me prendre en photo? Bon, les enfants, là, je vous laisse toutes les photos, mais à une condition. Que maman vous aide à les propager sur Facebook. Tu peux pas laisser faire ça, là. Je trouve ça beau, moi, de voir ton père nostalgique de ces beaux moments-là avec toi. C'est l'enfer, ici, depuis qu'il est arrivé. Il est là juste depuis hier. T'exagères. Ah, ouais? En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça de même. Tiens, Maribou! T'as fini de faire ton frais avec ton quadriporteur? Pa, je suis désolé, mais va falloir que tu retournes au foyer. Non! Papi, reste avec nous! T'es méchant avec lui! Toi, tu devrais partir! Aïe aïe! Va réfléchir dans ta chambre! Respecte tes enfants, jeune homme. C'est pas de même que je t'ai élevé, moi. Il y a un sage qui disait, ça prend 1000 coups de pied au cul pour bien élever un enfant. Pis c'est exactement ça que j'ai fait. Regarde, papa! C'est pour t'aider à devenir un homme. Acceptez-vous de prendre Jeanne ici présente comme légitime épouse? Oui, je le veux. Aïe, aïe! C'est pour t'aider à devenir un homme. Tu vois bien que ça donne à rien de... Aïe, aïe! Ah! Hey, c'est Armand, père à José! Oh, je peux-tu avoir au moins la paix à job? Vous appelez pourquoi, M. Godet? Premièrement, pour dire à José que personne s'ennuie de lui à maison. C'est une délicate attention. Puis mon deuxième point... José, t'es-tu déjà raconté comment moi et ta mère on t'a fait? Oh non, tu vas pas raconter ça en ongles, là! Les auditeurs, ils veulent pas savoir ça! Maudit que t'es curieux! Fait qu'on était sous. Pas vrai? Ah oui, solide! Puis c'est sûr que José, t'étais pas désiré. Ah ben non, c'est sûr! Ça s'est passé à mi-janvier d'une ruelle de Longueuil après un show des baronnets. Oh wow! Bucolique! Nous autres, on était quatre gars qui cherchaient une fille willing pour la gâter, et c'est là qu'on est tombé sur elle. Ah, tu veux dire la mère à Josie? Non, son amie. Mais après 8 coups de sacoche, on s'est rabattu vers la moins vieux, celle que ça tentait pour vrai, la mère à Josie. Parce que nous autres, on y avait juré qu'on connaissait le chanteur du band, fait qu'elle était prête à n'importe quoi. Un moment! Fait que c'est comme ça que t'as été faite, mon garçon. D'une ruelle sombre sur un sac à vidange mi-ouvert entre une moufette curieuse et un itinérant. Après ça, ben, est arrivé le grand jour. Le grand jour. Ta mère a crevé ses os, puis elle me paye Joe danseuse. Ah non, il n'y avait pas de pagette dans ce temps-là. Anyway, je l'ai rappelé parce que je ne me rappelais plus de son adresse, puis on est monté à l'hôpital. C'est d'un grand romantisme. Puis après ça, ben, ils vécurent pas trop heureux et eurent un enfant de trop. Non, tu manges à la table des enfants, toi. Mais je suis pas un enfant. T'es mon enfant, fait que tu manges à la table des enfants. C'est qui, le monsieur fâché? OK, gang, c'est fini, tout ce niaisage-là. Paf, je t'ai trouvé une place au Jardin Corbeil. Wow, il n'y en est pas question. J'irai pas. T'as pas le choix. J'ai fait un dépôt, puis tu vas être bien là-bas. Mais voyons, José, sois gentil, c'est ton père. Tu peux pas l'obliger à partir. T'es pas né que moi pour un bout, mon gars. Puis, t'en veux-tu une meilleure? Je commence avec toi à radio demain. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Je suis plus le bienvenu chez nous. Ah, puis, tu diras à Mario Richard que je quitte les grandes gueules. Ha! Bonne chance, mon homme. Tu vas voir que remplacer José Godin, c'est des grands souliers à remplir. Il va revenir.
C'est ça le problème. Il revient à chaque fois. Alors, les grandes gueules ont toute nouveauté aujourd'hui. Une nouvelle recrue, Armand le père José. Alors, bienvenue à la toute première émission de Armand pis les autres. On ouvre les lignes. Allô? Je suis pas d'accord. Vous êtes pas mieux que mon gars. Vous mériteriez une rangée de coupions derrière. Toujours pareil, les jeunes. On passe un autre appel. Bonjour. Soyez polis. Du monde comme vous, là, on devrait le faire manger du savon pis s'enterrer d'une fosse commune payée avec nos taxes. C'est ça que vous voulez, de toute façon, hein? Dilapider notre argent public. On arrête pour une pause. Armand! T'entendre amène un vent de fraîcheur à la station! Mais sois un peu plus mollo avec les auditeurs. Ah ouais, pas de trouble, j'ai compris. De retour en onde au show d'Armand en compagnie des deux autres caves. Alors, la question du jour. Richard et Mario sont-ils de parfaits imbéciles ou profondément stupides? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Vous êtes bien chez Armand et sa famille beaucoup plus heureuse depuis que José est parti. Au son du bip, laissez votre message, sauf si vous êtes José. Bon, mais faut que j'y aille, moi, là, hein? J'ai un appel d'urgence sur le téléphone que j'ai oublié chez nous, que je savais même pas que j'avais. Ouais, ben, on va y aller avec toi à ton appel urgent. Voyons, chop. José! Papa? C'est que je t'avais donné un nom de fille parce que je pensais jamais réussir à faire un homme de toi. Mais c'est pas usé le bout des souliers pour rien, moi. Je pensais jamais dire ça, mon gars, mais je suis fier de toi. Aïe, aïe! Papa! Je t'aime! Aïe, aïe! Mais sans pigeon. T'as pas à partir en résidence. Je laisserai personne te maltraiter. Je veux le faire moi-même, à maison. Non, c'est beau. Arrête de broyer, tu me fais. J'ai décidé de simuler ma propre mort. Quoi? Ben, si on me croit mort, puis personne va vouloir me tuer, puis là, vous allez avoir la paix. Ben, moi, j'ai une autre idée, là. Si on prenait pas de chance... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au lieu de simuler ta mort, tu meurs pour vrai. Ça serait réglé. Ben, en tout cas, t'as une idée comme un autre, là. Oh, mon Dieu, ben, quel gâché! Hey, oublie pas de te virer de bord à mi-cuisson.